Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre petite vidéo du lundi et aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel pour avoir des ondulations sans chaleur. Comme les fêtes arrivent, on ne sait pas souvent comment se coiffer, on ne sait pas trop si on veut se coiffer, pas trop se coiffer. Et je vous propose ça, c'est vraiment très simple, ça prend beaucoup moins de temps qu'avec un fer à boucler et en plus ça n'abîme pas les cheveux. Donc si vous voulez voir la suite, c'est parti! Pour faire de jolies ondulations, j'aurai besoin de cheveux mouillés. Donc pour certains c'est plus simple, pour d'autres c'est plus compliqué. C'est simplement que ça va aider à tenir mieux et ils vont sécher pendant la nuit puisqu'après on va se coucher comme ça. Donc je commence par brosser mes cheveux bien partout pour ne pas avoir de nœuds quand je vais les tresser puisque je vais vous montrer deux techniques. Moi j'en utilise surtout une, la deuxième est surtout pour celle avec les cheveux plus longs puisque les ondulations vont vraiment être naturelles, l'effet un petit peu wavy qu'on voit un petit peu partout. Et pour réaliser tout ça, donc je fais une raie au milieu puisque ça va permettre d'équilibrer. Après ça dépend de vous comment vous êtes, vous pouvez très bien laisser votre raie sur le côté. Ça me permet vraiment d'avoir des boucles partout, même dans ma mèche. Et je décide de faire un peu de petites tresses. Après je vais le changer puisque moi j'ai les cheveux assez courts, donc pour pouvoir tresser derrière je vais faire une mini tresse aussi. Et je pars, allez c'est parti avec le premier côté et je vais faire une tresse, donc les fameuses tresses qu'on voit beaucoup en ce moment, vous savez, un petit peu à la Kim Kardashian, tout ça. Donc une tresse inversée, une tresse qui va vers le dessous et à chaque brin, à chaque fois que je passe en dessous, je vais attraper des cheveux à droite et à gauche. Ici on voit bien, j'ai attrapé une mèche en dessous et je la passe donc aussi dessous. Là j'attrape une mèche et je la passe en dessous. A chaque fois je ramène tout au milieu, j'attrape des cheveux sur le côté et je mets toujours de mon majeur pour attraper les cheveux. Et je fais une petite pince avec mon index, c'est plus facile pour les attraper. Et c'est pour ça que certaines trouvent ça plus facile avec les cheveux mouillés puisque ça évite d'avoir tout plein de cheveux. Et là je continue donc de tresser comme ça. Ici je décide de moi faire ressortir la tresse, donc de passer les brins à chaque fois en dessous pour vous montrer aussi comment faire ce genre de tresse et pour vous montrer que sur des cheveux mi-longs, eh bien on peut très bien le faire également. Mais pour juste avoir les ondulations, vous pouvez très bien tresser normalement vos cheveux et pas forcément faire passer les brins en dessous mais aussi au-dessus. Ici j'arrive vers la fin de ma tresse, donc je finis et j'attache avec un petit élastique puisque vous aurez besoin justement de petits élastiques aussi. Et c'est important de bien les serrer puisque vous allez dormir après avec cette coiffure, donc il faudra éviter que tous les cheveux s'en aillent. Donc je fais pareil de l'autre côté, je prends mes trois brins au début et je tresse normalement la première fois. Une fois que les trois brins sont passés dans un sens, eh bien j'attrape des cheveux à gauche que je passe en dessous, puis j'attrape des cheveux à droite que je passe également en dessous. J'oriente bien ma tresse vers l'arrière de ma tête pour éviter que les brins que j'attrape petit à petit ne ressortent et ne soient mal placés, donc j'oriente bien ma tresse vers l'arrière. Et je continue comme ça tout au long de mes cheveux. Comme je vous ai dit, par contre, je laisse moi de la place vers l'arrière et des cheveux plutôt vers l'arrière pour pouvoir faire une mini tresse. Sachez que cette coiffure sur moi tient au moins 3 jours. Après les ondulations, même si elles s'estompent, elles sont très jolies. Et ça me permet d'avoir vraiment tous les cheveux ondulés, même si vous voyez au bout d'un moment on descend un peu, mais ils sont ondulés quand même assez uniformément. J'ai décidé de vous montrer une deuxième technique qui convient aussi très bien aux filles avec les cheveux mi-longs, voire plutôt courts comme moi, et même très longs. Ici, on va faire simplement une torsade en attrapant des cheveux simplement d'un seul côté. Donc, dès que je ramène la mèche vers moi, eh bien, vers le bord de ma tête, je rattrape une mèche et hop, je vais la passer par-dessus pour torsader. Ici, je torsade, je ramène la mèche vers moi et je prends une autre mèche et je torsade. Je ramène la mèche vers moi. Je prends une autre mèche et je torsade, et comme ça jusqu'au bout. Vous allez aussi avoir de très jolies ondulations. Sachez que pour les filles aux cheveux longs, vous n'aurez pas besoin de faire une tresse derrière comme moi, puisque les ondulations seront très naturelles et vraiment sur le bout de vos cheveux, et ça va faire très joli. Et quand j'ai fini, je fixe le tout avec un élastique également. Et pour vous montrer que c'est possible d'avoir les cheveux ondulés partout, comme je vous le disais, moi j'ai tressé derrière, donc ici il n'y a pas d'importance que vous tressiez les brins en dessous ou les brins au-dessus, vraiment c'est juste pour les ondulations, on ne restera pas coiffé comme ça. Ici je suis avec mes deux petites tresses et puis je vais aller me coucher et moi je vous retrouve demain matin pour vous montrer ce que ça donne.
Et nous voilà le lendemain matin, les tresses n'ont pas trop bougé, comme vous allez le voir ici, voilà, il y a quelques brins qui sont sortis, mais bon, c'est pas méchant non plus. Sachez que moi, je les défais vraiment au dernier moment, une fois que je suis prête, une fois que j'ai tout fait, puisque c'est ce qui me plaît dans cette coiffure, c'est que je n'ai rien à faire avec mes cheveux, j'ai simplement à les défaire, et hop, j'ai simplement aussi à remettre ma raie, et je pars. Je trouve l'effet joli. Ici, j'avais les cheveux encore un petit peu mouillés. Donc, si vous pouviez passer le sèche-cheveux avant de les défaire, ça évitera à vos boucles de retomber si vous avez les cheveux fins. Par contre, si vous avez les cheveux très épais comme moi, il n'y a pas de souci, même si c'est encore mouillé, vous inquiétez pas, ça va tenir toute la journée, voire même plusieurs jours après. J'ai fait ma raie sur le côté. Ici, je passe mes mains dans les boucles pour éviter qu'elles soient trop définies, mais qu'elles le restent encore un petit peu. Je trouve qu'il y a quand même un effet naturel et je sais pas si ça vous plaît, mais moi j'aime beaucoup. Je pense que pour les fêtes, ça peut faire son effet et ça peut faire son effet aussi dans la vie de tous les jours. Et vous voyez avec la tresse derrière, eh bien l'effet est ondulé partout. Voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez la reproduire. Si oui, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à partager en commentaire ce qui vous a plu ou non. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous. À la prochaine !